Feu vert pour la réouverture du tunnel Montgomery. Accessible depuis 5 heures ce matin, les voitures s'y engouffrent. Un soulagement pour de nombreux automobilistes. Ça fait plus d'un an que je ne suis plus passé par ici. Et très bonne nouvelle parce que ça circule, donc on est vraiment content. Quand je dois emmener mes enfants à l'école ici à Saint-Michel, c'est terrible. On doit partir une demi-heure plus tôt que d'habitude à cause des travaux du tunnel. Maintenant, on peut de nouveau dormir une demi-heure de plus. C'est une bonne nouvelle, oui. Ça prend un peu moins de temps parce que normalement, il y a beaucoup d'embouteillages. On voit une différence. Franchement, il est propre, il est net. C'était une bonne chose. Pas d'embarras de circulation à déplorer ce matin. Les véhicules circulent aisément. Il n'y a pas encore assez de recul pour parler à long terme, mais l'on peut déjà dresser un premier constat. C'est clair que comme il y a 60 000 véhicules qui passent normalement par jour dans ce tunnel dans les deux sens de circulation, ça a un impact. On voit qu'en surface, c'est beaucoup plus dégagé. Et on avait calculé que le chantier, ici, au niveau de Montgomery, provoquait quand même des retards d'environ 10 minutes pour quelqu'un qui vient depuis Rayères et qui veut aller jusqu'au centre-ville via le cinquantenaire. Un seul point noir à cette rénovation, le pont Dietrich, qui est toujours en travaux. Il devrait être à nouveau accessible dans quelques semaines. D'ici fin 2016, on aura terminé. C'est vraiment maintenant les finalisations, l'asphaltage, la remise en ordre de la voirie au niveau du passage sur le pont Dietrich. Il y a aussi encore des petites interventions qui devront être effectuées au niveau du parc. Donc on avait rasé pour pouvoir accéder et refaire la dalle de toiture du tunnel. Mais donc ça, on pourra refaire le parc à l'identique début 2017. Les automobilistes ne sont pas prêts de voir le bout du tunnel. Des fermetures ponctuelles sont toujours possibles pour des entretiens de nuit ou en cas d'incident. Au premier semestre 2017, ce sera au tour du tunnel de la Porte de Halle de subir des travaux de rénovation.